Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 44 de Coin du Blu-ray. Épisode 44, donc toujours consacré à la lettre T. Comme je l'évoquais la dernière fois, j'ai un peu de tout dans la lettre T, j'ai beaucoup de V. Mais là, j'ai eu envie de vous parler d'un film qui est un film culte. Le genre de gros film culte que beaucoup de gens connaissent. Le genre de film culte qui, malheureusement, a le droit à des remakes très chelous, portés par des équipes techniques qui savent pas vraiment quoi faire du projet et qui surtout partent complètement à côté de la plaque de l'original. Mais donc aujourd'hui, on va parler de l'original, du seul et unique Total Recall de Paul Verhoeven, qui est un bijou de cinéma extrêmement créatif, qui parvient de manière très originale à rendre hommage à Philip K. Dick, mais surtout qui met en place un univers que je trouve constamment créatif. L'histoire, c'est celle de Douglas Quaid qui, en 2048, semble être un employé de bureau, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui, je dirais pas commence à se faire suer dans son quotidien, mais presque. Et en fait, du jour au lendemain, il décide d'aller voir une société qui s'appelle Recall, qui permet de voyager un petit peu où on veut et de se créer des souvenirs. Sauf qu'en fait, lorsqu'il va chez Recall et qu'il rentre dans la machine, eh ben c'est bizarre, mais il semble avoir des souvenirs dont il ignore l'existence. C'est énigmatique, hein. Bon, je pense que les trois quarts d'entre vous ont déjà vu Total Recall. Si ce n'est pas encore fait, pourquoi vous êtes devant cette vidéo? Sortez de cette vidéo et allez voir tout de suite Total Recall. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais au-delà de ça, Total Recall, c'est un film que j'ai découvert assez tardivement, honnêtement. Je dois avouer que Paul Verhoeven, c'est quelqu'un déjà que j'ai découvert d'abord avec Robocop. Robocop que j'ai vraiment adoré instantanément. Et ensuite, je me suis plus intéressé à Starship Troopers qu'à Total Recall. Parce que Starship Troopers avait un cachet et une gueule qui m'intéressaient. Et c'est surtout qu'à l'époque, j'étais hyper fan de How I Met Your Mother. Et il y a Neil Patrick Harris dans Starship Troopers. Donc à partir de là, voilà, vous vous doutez pourquoi j'ai découvert ce film avant celui-là. Et ensuite, j'ai découvert au fur et à mesure que j'avançais la filmographie de ce cher Arnold Schwarzenegger. Et j'ai vu cet entrecroisement, Verhoeven Schwarzenegger, et je me suis dit, allez, faut absolument que je regarde Total Recall. Et ce fut génial. Total Recall fait partie clairement de mes films cultes que je peux remater régulièrement en me disant, mais qu'est-ce que c'est bien? Tout est bien. Les effets spéciaux extrêmement avant-gardistes, la gueule de Schwarzy tout du long du film qui est juste extraordinaire, l'ambiance, la musique de Jerry Goldsmith, la mise en scène de Paul Verhoeven, tout a vraiment un cachet et une esthétique qui sonne comme hors du temps. Et c'est ce que je kiffe le plus avec ce film. Ce film est purement et simplement un bijou. Du début à la fin, c'est un bijou. C'est juste un plaisir de cinéma de chaque instant. C'est un pur bonheur à mater, tellement on sent que le film a envie de se livrer à nous, de nous partager quelque chose qui va être vraiment de l'ordre de l'instantané, mais qui va permettre aussi un petit peu de réfléchir derrière sur toutes les thématiques qu'il souhaite aborder, parce que vous doutez bien qu'un film adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick, c'est pas uniquement un énième film de SF qui va avoir vaguement un bon fond, c'est clairement un film qui va chercher à aborder le fait que parfois on refoule son passé, que parfois on préfère se créer des souvenirs, que l'on préfère se poser des questions. Enfin, c'est un film qui cherche à questionner l'idée, encore une fois, comme la semaine dernière, d'identité, mais au sein cette fois d'un rapport beaucoup plus frontal, avec vraiment en plus ce concept de SF beaucoup plus avancé, qui joue beaucoup avec ce côté décor très impressionnant, que ce soit sur Mars ou sur Terre. Il y a vraiment sur Terre ce côté très mécanique, ce côté, je saurais pas trop comment dire, mais ce côté très enfermé. Et sur Mars, on a cette espèce de ghetto complètement perché avec cette prostituée à trois boobs que tout le monde connaît grâce à Internet. Mais tous ces petits détails-là, c'est ce qui fait la force de ce film parce que, au-delà de la nouvelle de Philip K. Dick, il y a Paul Verhoeven. Et Paul Verhoeven, c'était un mec qui, dans les années 90 et dans les années 80, avait une identité folle. Vous regardez chacun des films qu'il a fait dans cette période-là, c'est des films qui ont un cachet de dingue. Tous les films qu'il a fait à Hollywood, c'est des tueries. C'est des films qui vraiment sont parfaits à tout point de vue. C'est des films qui constamment, du début à la fin, se disent, c'est pas parce qu'il y a une idée qui est posée qu'on peut pas en mettre une autre par-dessus et encore une autre et encore une autre. C'est un mec qui passe son temps à faire des pièces montées de mariage et qui se dit, c'est pas parce qu'à un étage il y a de la crème fouettée que sur le dessus je peux pas rajouter du chocolat et puis encore de la crème fouettée et puis encore du chocolat. C'est ce qui est
extrêmement satisfaisant lorsqu'on regarde un film de Paul Verhoeven. C'est cette sensation que plus on avance, plus on se laisse embarquer, plus on se laisse captiver, plus on est récompensé. Et Verhoeven, c'est un cinéaste que j'aime pour ça. C'est un cinéaste que j'adore même pour ça. C'est un cinéaste que j'idolâtre par de nombreux aspects, même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est un metteur en scène qui ne se limite pas simplement à poser des bons sujets sur des films. C'est un mec qui pose des bons sujets, qui pose une bonne forme et qui se dit par-dessus, qu'est-ce que je peux mettre de plus pour que le spectateur soit complètement embarqué dans ce trip. Et à cette époque-là, vraiment, Total Recall, Robocop, Starship Troopers, Basic Instinct, même Showgirls, c'est des films qui passaient leur temps à dire au spectateur « Tu en veux plus ? T'inquiète pas, il y en a d'autres derrière. » J'adore, j'adore vraiment. Au-delà de ça, le casting du film est une tuerie. Que ce soit Arnold Schwarzenegger qui est juste hyper charismatique de début à la fin, que ce soit Sharon Stone qui est vraiment classe, très très classe au sein du film, mais surtout, et là c'est mon chouchou, Michael Ironside qui joue le méchant principal du film, en tout cas le mec qui arrête pas de courser Arnold Schwarzenegger. C'est un acteur qui a habité le cinéma de Paul Verhoeven durant sa période aux États-Unis, mais au-delà de ça, c'est un acteur extrêmement charismatique qui manque beaucoup au 7e art. Et il fait encore de temps en temps des petites apparitions à gauche et à droite, mais je trouve que c'est un mec en or qui a vraiment délivré au 7e art américain des scènes cultes et des personnages secondaires cultes. Et j'étais vraiment satisfait de le voir dans Turbo Kid, par exemple. Dans Turbo Kid, où il joue le méchant, je trouve que l'équipe qui l'a choisi, ils ont eu la meilleure idée du monde. Mais en tout cas, là, dans Total Recall, il est juste extraordinaire du début à la fin. Il est trop bien. Enfin, à l'image du film, de toute façon. En termes de bonus, malheureusement, même avec cette très belle réédition 4K que nous a proposé Studio Canal, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a un petit docu autour de la création du film. Il y a une série d'interviews. Et il y a quelques scènes coupées, mais voilà. Ça reste quand même très limité, je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense profondément qu'il y a beaucoup plus de bonus qui sont imaginables et disponibles autour de ce film que ce qui nous est vendu. Mais ça suffit quand même à satisfaire un petit peu notre plaisir de spectateur qui a envie de se replonger dans cet univers qui vraiment a marqué quand même les années 90 et en a fait un grand long métrage. Mais clairement, bon, ceux qui sont encore là, retournez voir Total Recall. Ceux qui sont là parce qu'ils avaient envie d'avoir des infos, allez voir Total Recall, vraiment, c'est une tuerie. Et pour ceux qui sont encore indécis, ne le soyez pas. Vraiment, Total Recall de Paul Verhoeven, c'est un très très grand moment de cinéma. C'est totalement maîtrisé par un metteur en scène qui a envie de nous embarquer dans son trip, qui a envie de nous passionner. C'est trop bien à regarder. Vraiment, foncez, vous n'allez pas le regretter. Ainsi s'achève cet épisode 44 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi, tiens, dans les commentaires, alors on va vous poser deux questions cette fois. De 1, quel est votre film préféré de Schwarzy? Et de 2, quel est votre film préféré de Paul Verhoeven? Je pense que le deuxième, ça va être plus compliqué. Le premier, je pense qu'on va avoir des Last Action Hero, des Predators, peut-être des films un peu surprenants, genre À l'aube du sixième jour. C'est vrai qu'À l'aube du sixième jour, c'est pas si mal, très sous-coté comme film. Bref. Mettez-moi ça dans les commentaires et je regarderai ça. Et d'ici là, bah, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.